0. Je reçois pas par contre. Il a pas reçu. J'ai pas reçu le mail. Ah ça y est. Tu reçois pas le lien, c'est pour ça. Ouais, c'est bon. Je sais pas, ça se fait dans le logiciel. Thank you.
Je vais présenter et partager l'écran. Sélectionner l'écran. Ça, je passerai du blanc à ça. La webcam est assez bien mise pour voir ta. La webcam, elle est. Ouais, il faudra peut-être la tourner un petit peu. Ça sera par là-bas. C'est pas mal. Là, il n'y a pas de lien. Il faut intervenir à propos de la liste. Je ne veux pas que tu ailles plus loin que l'écran. Tu veux pouvoir te mettre à gauche de l'écran? Voilà.
Bah écoute, je crois qu'on est bon là. Merci. Bon, bonjour à tous. Alors, je suis Guillaume Andrieux, donc je suis maître de conférence à l'Université de Limoges et notamment au laboratoire XLIM. Je fais mes recherches dans l'équipe CEM, compatibilité électromagnétique. Je ne sais pas si c'est un thème qui vous est très familier, je pense que vous avez quand même peut-être quelques notions. Et donc je vais vous parler aujourd'hui d'un moyen d'essai qui s'appelle les VIRC, c'est donc des chambres réverbérantes en toile métallisée. Et je vais vous faire tout à l'heure une petite démonstration. La VIRC, elle est dans ce sac-là. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc la présentation va s'articuler de la façon suivante. Je vais d'abord commencer par expliquer un peu ce que sont les chambres réverbérantes, vous donner quelques généralités sans aller trop loin dans le détail. Parce que sur YouTube, ça partage ton mode présentateur. Et donc, il faut que je fasse quoi? Ah, oui, j'ai compris. Dupliquer l'écran. Ouais. Ça, dupliquer le diaporama. Voilà. C'est bon ça? Ok. Donc, une introduction sur les chambres réverbérantes, sans aller trop loin dans la théorie, il n'y a pas besoin. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu d'une forme particulière de chambres réverbérantes, qui est donc les VIRC, dont un exemplaire est dans ce sac. Et ensuite, on fera la démonstration, et puis on pourra aussi discuter ensemble si vous avez des questions sur le sujet. Alors, la CEM, la compatibilité électromagnétique, très rapidement, c'est un domaine où on va étudier la coexistence des équipements électroniques entre eux. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est que n'importe quel équipement électronique doit pouvoir travailler, fonctionner correctement, même s'il y a des perturbations électromagnétiques dans son environnement. Et puis, lorsqu'il fonctionne, cet équipement électronique, il ne faut pas qu'il perturbe les équipements aux alentours. Voilà, en gros, la définition de la CEM. Donc, si suis un industriel et que je veux vendre un dispositif, un équipement électronique, je dois obtenir un marquage CE, et pour l'obtenir, je dois faire passer un certain nombre de tests CEM à mon équipement. Si ces tests échouent, je n'ai pas le droit de mettre sur le marché cet équipement. Donc, par exemple, je vais vendre une cafetière, eh bien, il faut faire passer un certain nombre de tests. Un test très commun qui est fait en chambre anéchoïque, je pense que ça, les chambres anéchoïques, vous connaissez. Donc on a une cage de Faraday avec des absorbants sur les parois. L'idée est de reproduire l'espace libre. Et donc, dans le cadre d'un test CEM d'immunité, je veux essayer de voir si j'arrive à perturber mon DST, c'est-à-dire le dispositif sous test. Donc je vais placer une antenne qui va être orientée vers le DST. On va essayer de générer un champ qui correspond à ce qui est demandé pour ce test, par exemple 10 volts par mètre, 50 volts par mètre, etc. Et on va regarder si le DST fonctionne correctement. Et en plus, on va faire ça pour deux polarisations de l'antenne, on va faire tourner l'équipement sur lui-même pour pouvoir étudier différentes orientations de l'onde incidente, etc. Voilà ce qu'on fait en chambre anéchoïque. Il y a quelques limites à ce type de test. Par exemple, en chambre anéchoïque, c'est quand même assez compliqué de faire des tests en champ fort. Par exemple, dans le domaine militaire, on a besoin de tester certains équipements à 200 volts par mètre, etc. Donc ça veut dire qu'il faut des amplis
très coûteux pour faire ça, etc. Les essais, ils sont souvent assez longs. Je vous ai dit qu'il fallait faire deux polarisations d'antenne. On fait plusieurs fréquences aussi. On fait tourner le dispositif sur lui-même pour répéter le test, etc. Et puis, ces tests, ils sont foncièrement incomplets parce que si on voulait vraiment être rigoureux, il faudrait tester plein de fréquences, il faudrait tester plein d'orientations de l'antenne, finalement. Faire en sorte que l'onde incidente arrive sur l'équipement, sur tout l'angle solide qui entoure notre équipement. Évidemment, ce n'est pas possible de faire ça. Si on veut faire ça, il faudrait des années pour tester un seul équipement. Ce n'est évidemment pas possible. Donc, pour essayer de répondre un petit peu à ces limitations des chambres anéchoïques pour des tests CEM, dans les années 90 sont apparues les chambres réverbérantes, à brassage de mode, que je vais appeler CRBM, parfois de temps en temps, chambre réverbérante à brassage de mode. Vous voyez ici le principe, c'est une cage de Faraday. Mais dans cette cage de Faraday, on n'a pas mis d'absorbant sur les parois. Ici, on veut tirer profit des réflexions des ondes sur les parois. Donc c'est une approche complètement différente. En gros, le fonctionnement n'est pas très différent du principe d'un four micro-ondes. D'accord. Donc, vous voyez quelques exemples. Ça, c'est la chambre qu'on a dans mon laboratoire. Donc, ça fait une vingtaine de mètres cubes, hein, quand même. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, on a ici, on va tirer profit, finalement, des réflexions de l'onde sur les parois. Alors, on peut parler de trajet. Par exemple, vous voyez, ce trajet-là, en orange, là, il va finir, à un moment donné, par arriver sur le DSC. On peut aussi parler de mode. Je vais aussi en parler tout à l'heure. Voilà, justement, on parle tout de suite. Donc, pour comprendre le fonctionnement d'une chambre réverbérante, il faut déjà faire quelques rappels sur les cavités. Je pense que ça, vous avez dû l'étudier dans votre parcours. Je ne sais pas trop quel parcours vous avez, hein, mais j'imagine que vous êtes quand même vous avez fait un peu d'électromagnétisme, etc. Donc, les mode de cavité, ça doit vous parler, j'espère. Sinon, vous pourrez quand même comprendre. Hein. Donc, vous savez que dans une cavité résonante, vous avez des modes qui apparaissent à certaines fréquences en fonction des dimensions de la cavité. Et puis, vous avez les cartographies spécifiques à chaque mode. Voilà, ça, je pense que ça doit vous parler. Ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que, par exemple, je prends ce mode ici, un mode transverse magnétique 3.1, là, vous voyez que le champ n'est pas du tout uniforme, évidemment, sur toute la surface. Et donc, pour ceux qui ont étudié les cavités dans leur parcours académique, vous avez souvent, je pense, vu des applications sur les premiers modes, les modes fondamentaux d'une cavité, pour faire de la caractérisation de matériaux ou autre chose. Une chambre réverbérante utilise les modes de cavité, mais pas les modes fondamentaux. Donc, juste pour un petit rappel, vous avez, ça c'est la fréquence dans l'axe des X, vous avez un premier mode fondamental, qu'on va appeler F0. En dessous de ce mode-là, bah, il est très très compliqué d'installer de l'énergie dans cette cavité. Et puis ensuite, plus on monte en fréquence, plus on va voir apparaître différents modes. Et pour un multiple de F0, compris entre, allez, j'ai mis 3 à 7, mais c'est au moins 5, on va dire à peu près, on va avoir beaucoup, beaucoup plus de modes. Et notamment, on n'aura plus ces creux ici. Ces creux-là, c'est-à-dire des fréquences où il n'y a pas de modes qui peuvent s'installer dans la cavité. Ceux-là, ils sont gênants pour un fonctionnement de type chambre réverbérante. Donc, en gros, une chambre réverbérante, ça va marcher dans cette zone-là, où il y a beaucoup de modes. D'accord? Donc, on a une loi qui s'appelle la loi de Veil, qui nous permet d'estimer le nombre de modes autour d'une fréquence F, en fonction du volume de la cavité, sur une petite bande delta F. Et on voit que ce nombre de modes, il est proportionnel à la fréquence au carré. Ça veut dire que, très rapidement, on va avoir beaucoup, beaucoup de modes. Sur une petite bande, par exemple, de 1 MHz, on va avoir un nombre de modes vraiment très très important. Donc j'ai dit tout à l'heure, si je prends ce mode-là,
je vais avoir un niveau de champ fort ici, un niveau de champ faible ici. Donc si on revient dans le contexte d'un test de compatibilité électromagnétique, ça c'est un peu gênant. Ça veut dire que je vais avoir une antenne qui d'émission va générer un champ qui va s'installer dans la chambre réverbérante. Et suivant l'endroit où je vais positionner mon équipement électronique que je veux essayer de perturber, bah, il verra un champ très fort ou très faible en fonction de si je l'ai mis sur un ventre ou sur un nœud. Ça, c'est un peu gênant pour un test de type CEM. Voilà, l'agression sur le système est très variable suivant la position dans la cavité. Et donc, il faut faire un brassage de mode. C'est-à-dire qu'on va en fait modifier les conditions aux limites de notre chambre réverbérante de façon à ce que finalement tous ces ventres et ces nœuds. En fait, ce qu'il faut, je l'ai déjà un peu dit, hein, mais en gros, là j'ai focalisé sur un seul mode, mais rappelez-vous, dans les fréquences où on peut utiliser une chambre réverbérante, il y a plusieurs modes qui se superposent, plusieurs modes qui interviennent en même temps. Mais il va quand même y avoir des maximums et des minimums de champs. L'idée, c'est de modifier les conditions limites de notre système pour que les maximums et les minimums de champs soient tout le temps différents. Donc c'est ce qu'on appelle les notions d'homogénéité et d'isotropie. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai une première réalisation, mais on verra ce que ça veut dire, réalisation, un petit peu plus tard. J'ai, par exemple, des ondes en rouge là qui arrivent sur mon dispositif sous test. Puis ensuite, je change quelque chose dans la cavité. Et puis, ben, les ondes principales, elles arrivent d'orientations différentes. Si je fais ça suffisamment de fois, si je répète suffisamment de fois cette mesure-là, je vais avoir des ondes planes. Je peux considérer que mon DST, il va avoir des ondes planes qui arrivent de toutes les directions, avec toutes les polarisations, avec différentes amplitudes, etc. Ça, c'est la notion d'isotropie, c'est-à-dire que mon DST, il voit des ondes qui arrivent de toutes les directions. Rappelez-vous ce que je disais sur la chambre anéchoïque, où on ne pouvait pas tester toutes les directions. Là, ça sera le cas. Et puis, un deuxième point très intéressant, c'est que donc, si je fais plusieurs réalisations, je vais mesurer, par exemple, le champ moyen ici, le champ électrique moyen ici, ou ici, en n'importe quel point, je vais trouver la même valeur moyenne. Donc ça, c'est très intéressant, ça s'appelle la notion d'homogénéité, et ça veut dire que je n'ai plus à me préoccuper de la position de mon équipement à l'intérieur de la chambre réverbérante. En gros, le résultat devrait être statistiquement à peu près identique, quelle que soit la position, l'orientation de mon DST à l'intérieur de la chambre. Ça, c'est deux notions vraiment fondamentales de la chambre réverbérante, l'homogénéité et l'isotropie. Alors, j'ai dit, il faut faire plusieurs réalisations. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que il faut faire ce qu'on appelle un brassage de mode. C'est-à-dire, je vais commencer par la solution la plus utilisée, donc qui est le brassage de mode mécanique. C'est-à-dire que on place un objet métallique à l'intérieur, et cet objet, on va le faire bouger. Ce qui veut dire que on va modifier les conditions aux limites de notre système, qui est composé d'une antenne, d'une cage de Faraday, du brasseur de mode, donc la pièce en métal, et puis de mon dispositif que je veux perturber. Et le fait de faire bouger cet objet à l'intérieur a pour effet de modifier fictivement, entre guillemets, les dimensions de la cavité. C'est comme si j'avais bougé l'un des murs, par exemple. Et donc, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la fréquence de résonance de chaque mode est liée aux dimensions de la cavité. Donc si je, fictivement, en faisant tourner cet objet-là, je fais qu'à chaque position de mon objet, de mon brasseur de mode, j'ai des dimensions qui, finalement, ont l'air un tout petit peu différentes, et bien tous les modes vont se décaler en fréquence, un petit peu. Et tous les modes vont avoir à chaque fois une amplitude un petit peu différente. Et donc là, j'accède à des propriétés qu'on appelle les propriétés de champ diffus ou champ réverbérant, qui sont excellentes pour des tests comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser un bon brasseur de mode mécanique? Il faut une géométrie la plus aléatoire possible.
Ça se comprend bien. Si j'ai une structure symétrique, si j'ai par exemple une sphère qui tourne sur elle-même, eh ben, c'est toujours pareil. Si j'ai une plaque qui tourne, si j'ai deux plaques par exemple autour d'un mât, ben, quand j'ai fait 180 degrés, je me retrouve dans la même situation, c'est pas intéressant. Donc il faut une géométrie la plus aléatoire possible. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses qui ont été testées hein, dans les différentes chambres réverbérantes du monde. Et c'est pas toujours évident de faire quelque chose d'aléatoire, parce que l'esprit humain a souvent envie de faire quelque chose de symétrique, il faut un peu lutter contre ça. Et évidemment, de taille suffisante par rapport au volume de la cavité. Si j'ai un brasseur de mode qui est grand comme ça, il ne va pas suffisamment modifier les conditions limites du système. Donc généralement, ça c'est le brassage qui est le plus utilisé, où souvent une pièce métallique en rotation autour d'elle-même. Après, il y a d'autres brassages, je vais peut-être passer assez vite là-dessus. On peut aussi faire ce qu'on appelle du brassage électronique, c'est-à-dire que là, je ne mets pas de pièce en rotation. Je vais juste exciter la chambre. Par exemple, si je veux travailler à 1 GHz, en fait, je vais exciter mon antenne à 1 GHz. Donc, par exemple, je suis ici à la fréquence F1. On voit que ça, c'est chaque mode. C'est une représentation assez simplifiée. Et donc, on voit que, ben, par exemple, à 1 giga, là, F1, c'est le mode noir qui est le plus excité, qui aura l'amplitude la plus forte. Et si j'excite maintenant mon antenne à une fréquence un tout petit peu différente, par exemple 1 giga plus 1 méga, et ben là, ça ne sera pas du tout, bon, c'est encore le noir, hein, mais on voit ici que le mode marron et le mode vert sont beaucoup plus excités, donc je vais avoir un champ qui sera complètement différent. Voilà, c'est le principe. Alors ça, c'est très simple, mais ça marche quand même beaucoup moins bien. Je peux aussi faire ce qu'on appelle du brassage de position, c'est-à-dire qu'ici, je vais, par exemple, bouger l'antenne d'émission. Là, ce qu'on avait fait donc, dans notre chambre réverbérante, on faisait finalement tourner l'antenne. Et en fait, le couplage de l'antenne avec chaque mode dépend de la cartographie du mode. Donc si je place l'antenne à un endroit où le mode il est maximum, ben, le couplage va être très bon entre l'antenne et le mode, et je vais exciter le mode. Si ce n'est pas le cas, par contre, je ne vais pas exciter le mode. Une autre alternative, ça va être de placer un réseau d'antennes. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, en gros, sur ce cube-là, il y a une quinzaine d'antennes toutes différentes, et donc on les excite les unes alternativement les unes avec les autres. Ça, c'est assez compliqué, et ça marche quand même moins bien. Donc, les chambres réverbérantes, je vous ai dit, ça a été, au départ, proposé pour la CEL, pour la compatibilité électromagnétique. Mais attention, ça n'est pas utilisé que pour la CEL. Depuis une vingtaine d'années, ça a diffusé dans plein d'autres applications. Par exemple, on peut caractériser des matériaux, les propriétés électromagnétiques d'un matériau. On caractérise beaucoup les antennes dans une chambre réverbérante. En fait, on peut arriver assez rapidement à obtenir des propriétés moyennes d'un matériau ou d'un dispositif. Par exemple, une antenne. Donc, par exemple, l'efficacité d'une antenne, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une grandeur qui est tout à fait adaptée pour être mesurée dans une chambre réverbérante. On peut caractériser des systèmes MIMO, etc., on peut faire de la dosimétrie, on peut caractériser des dispositifs sans fil, qu'on appelle des tests over the air, etc. Donc, ce n'est pas utilisé que pour la CEL. Et donc, en conclusion sur cette première partie d'introductive sur les chambres réverbérantes, l'idée n'est pas de dire la chambre réverbérante c'est bien mieux que la chambre anéchoïque. Non. Les deux sont très intéressants. Les deux sont des milieux idéaux. Parce que une chambre anéchoïque, ça représente l'espace libre, et une chambre réverbérante, tout le contraire, un champ de type réverbérant, justement. Dans la réalité, on est souvent entre les deux. Par exemple, si je suis une balade avec mon téléphone portable dans une ville, mon téléphone ne va pas capter uniquement un chemin direct, qui serait finalement ce qu'on retrouve en chambre anéchoïque. Il ne va pas capter un champ de type réverbérant non plus, mais par contre, il va capter un trajet direct et puis aussi des trajets
reflétée sur les bâtiments, etc. Voilà sur cette première partie introductive sur les chambres réverbérantes. Ensuite, je vais parler spécifiquement, plus spécifiquement, donc des virques, donc des chambres réverbérantes qui sont réalisées en toile métallisée. Donc un peu d'histoire, donc ça a été proposé un petit peu plus tard, au début des années 2000, donc par un chercheur qui s'appelle Frank Leffrink, qui est hollandais, donc par Thales Netherlands. Vous voyez ici un premier brevet, quelle année, 99. Voilà. Et donc, vous voyez cette toile métallisée. Donc, ça a été, par exemple, au début, utilisé pour mettre autour du nez d'un avion, du cockpit d'un avion, pour pouvoir faire des tests CEL dessus. Bon, mais la communauté universitaire ne s'était pas tellement emparée de ce moyen d'essai, et pourtant, il y a plein de choses extrêmement intéressantes à faire. Donc, c'est ce que moi, à mon petit niveau, j'essaye de mettre en évidence. Donc, déjà, les virques, il y a un des avantages que j'appelle, entre guillemets, structurel, c'est-à-dire que il y a plein d'avantages qui sont liés au fait que c'est de la toile. Le premier, c'est que c'est très peu cher. Une chambre anéchoïque, c'est extrêmement cher, parce que la cage de Faraday, ça coûte très cher, le métal, vous savez, de nos jours, c'est très cher, et les absorbants sont aussi très chers. Les absorbants électromagnétiques. Une chambre réverbérante, c'est un petit peu moins cher parce qu'il n'y a pas les absorbants. Si on compare avec des chambres qui ont le même volume, un peu plus. Par contre, il y a besoin d'installer un brasseur de mode, donc ça veut dire qu'il faut un moteur, etc. Donc tout ça, c'est un coût quand même assez important. Et donc, vous comprenez bien qu'une chambre réverbérante de ce type-là, avec une toile comme ça, et juste quelques tubes métalliques là, le coût n'a strictement rien à voir. On est peut-être, on divise par 10 le coût. Donc ça, c'est très intéressant. En plus, une virque, ça se monte et ça se démonte, je vais vous montrer tout à l'heure, très rapidement. Celle-là, c'est celle que l'on a donc chez System, donc c'est un centre de transfert à Limoges aussi. C'est amusant parce qu'aujourd'hui, elle est en train d'être déplacée. Donc en fait, ce type de chambre-là, ça se monte, ça se démonte, ça se déplace, et justement, on peut prendre une virque comme ça et l'amener vers le système que l'on veut tester. Une chambre anéchoïque, ça ne se déplace pas. Ça coûte moins cher. Et donc, cette chambre-là, qui fait une vingtaine de mètres cubes, là, à droite, mon collègue, tout seul, il l'a démontée en 1h30, vendredi après-midi. Vous voyez que ça va quand même assez vite. Alors, pour les virques, je peux enlever ça, là. Pour les virques, il y a deux types de brassages qui ont été proposés dans la littérature, ce que les gens utilisent. Le premier, c'est d'utiliser des ventilateurs. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le brassage de mode consiste à modifier les conditions aux limites de notre système. Ici, un autre avantage très intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer un brasseur de mode, une pièce métallique en rotation à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ce qui va faire le boulot du brassage de mode, c'est le fait que la toile, elle peut bouger. Donc, le mouvement de la toile, il faut réussir à faire bouger cette toile, qui est très très légère. Donc, un simple ventilateur mis à peu près à 1 mètre en dehors de la virque, mis à peu près à 1 mètre de la virque, ça suffit pour faire bouger la toile. Un deuxième type de système qui est utilisé, c'est d'accrocher des moteurs à la toile. Et puis ces moteurs, par exemple, c'est des moteurs d'essuie-glace, je crois. On accroche le moteur à la toile et puis on essaye de faire bouger avec un mouvement le plus aléatoire possible. Ça c'est bien, mais c'est un peu dangereux parce qu'on risque souvent de dégrader la qualité de la toile et de la déchirer. Donc, dans la première virque que l'on a accueillie à Limoges, c'était en février 2022, donc il y a un an et demi. Donc je travaillais déjà dessus, mais avec des virques qui n'étaient pas chez nous. Vous voyez ces dimensions, 27 mètres cubes. La toile, c'est du fil de nylon qui est tressé avec ensuite un dépôt métallisé de nickel dessus. Et je vais vous montrer, au bout d'un an et demi de travail continu,
vers la solution de brassage de mode que l'on a mise en œuvre. Alors normalement, il y a une vidéo là, voilà. Vous voyez ici, en bleu et orange, ce sont des moteurs qui viennent en fait pousser la toile. L'idée, c'est de faire bouger toute cette toile. Dans notre VIRC actuel, on a 5 moteurs qui nous permettent de pousser cette toile. Alors, pour essayer de ne pas la dégrader, en fait, au bout de ces petits bras réalisés en imprimant 3D, on a mis deux aimants qui prennent en sandwich la toile. Donc, pour essayer d'éviter de la dégrader. Alors, pourquoi est-ce qu'on a été aussi loin dans notre système de brassage à 5 moteurs? C'est pour les mesures que je vais vous présenter tout à l'heure. Et si vous êtes observateur, vous avez même observé. Je ne vous dis pas pour l'instant, on verra bien ceux qui ont vu. Alors, ce type de chambre-là, qui n'est pas cher, qui se démonte, qui se déplace, en plus de ça, pour des mesures de type chambre réverbérante, c'est souvent supérieur en qualité par rapport à une chambre réverbérante classique. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit que les industriels caractérisent leur dispositif sans fil, un smartphone par exemple, en chambre réverbérante, pour avoir des informations sur le smartphone, par exemple, sa puissance totale rayonnée. Voilà, j'en dis pas plus, c'est pas forcément la peine. L'idée, c'est d'avoir les industriels, ils veulent une incertitude de mesure très faible. Une incertitude de mesure très faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut répéter la mesure plein de fois, et à chaque fois, avoir des mesures qui sont indépendantes par rapport à la condition précédente. Donc si on veut faire ça, si j'ai un brasseur qui tourne sur lui-même, ben une fois qu'on lui a fait faire 360 degrés, on ne va plus rien apprendre de nouveau. Donc si on veut abaisser encore l'incertitude de mesure, il faut rajouter un deuxième brasseur de mode. Donc là, vous voyez, une chambre proposée par la société Blue Test, qui dispose d'un brasseur de mode, d'un deuxième brasseur de mode, et ensuite le dispositif sous test, il est placé sur un plateau tournant, il peut aussi lui aussi bouger. Et là, effectivement, en combinant ces trois moyens de brassage, on peut avoir une incertitude de mesure assez faible. En VIRC, l'idée c'est que si la toile bouge au cours du temps, on n'a pas besoin de bouger quoi que ce soit. Je place mon antenne, je place le DUT, le device under test, le dispositif sous test, et j'attends, juste à répéter la mesure plein de fois. De toute façon, la toile ne se recombine jamais pareil. Donc quelques résultats ici pour montrer un peu ça. Ici, on a mesuré le S1-1 d'une antenne qui est placée dans une VIRC au cours du temps, là, pendant 1 minute. Vous voyez que c'était des ventilateurs qui faisaient bouger la toile. On fait un calcul assez simple d'autocorrélation et on se rend compte que on a zéro, sauf dans la première seconde. Ça veut dire qu'il faut forcément un petit instant, il faut attendre un petit peu que la toile ait suffisamment bougé pour pouvoir refaire une mesure qui soit indépendante, qui soit décorrélée de la précédente. Si on fait une mesure, par exemple ici, toutes les 0,05 secondes, j'ai une mesure qui est corrélée. Donc je suis en train de perdre mon temps. Parce que je fais une mesure qui n'est pas indépendante de la précédente. Et je n'apprends des informations que partielles, pas complètement nouvelles. Et ensuite, donc voilà les résultats. Donc c'est ce que l'on obtient par exemple ici, dans notre VIRC qu'on a optimisé. C'est-à-dire qu'à 2 gigas, ce temps-là, le temps de décorrélation, ce temps qu'il faut attendre, il est à 2 gigas d'une vingtaine de millisecondes. C'est très très faible. Ça veut dire qu'en une seconde, j'ai 50 états indépendants. Je peux faire 50 mesures, finalement, qui seront toutes indépendantes les unes des autres. Ça, c'était un résultat assez rigolo qu'on a obtenu il n'y a pas longtemps.
la courbe en rouge, là, vous voyez qu'il y a, une corrélation assez forte au bout d'une virgule deux secondes. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis les cinq moteurs, mais les cinq moteurs fonctionnaient à la même vitesse, la vitesse V8. Et donc ces cinq moteurs qui poussent la toile à des endroits différents, s'ils ont tous la même période finalement, ben dans les mesures on retrouve cette période. Donc ça veut dire qu'il faut des mouvements aléatoires de tous les moteurs. C'est ce qu'on a fait là. Vous voyez qu'on n'avait pas tellement de différence en bleu lorsqu'on a fait... chaque moteur avait une vitesse différente, mais toujours la même. Là, on arrivait à casser en fait cet aspect périodique. Mais c'est encore mieux si tous les moteurs ont une vitesse aléatoire, c'est-à-dire ce que l'on fait maintenant, c'est que toutes les secondes, on tire une vitesse différente pour chacun des moteurs. Et donc, ensuite, une deuxième étude où on a essayé de voir, maintenant, je sais qu'il faut attendre un tout petit instant pour faire une nouvelle mesure, mais ensuite, si je fais des mesures pendant une heure, pendant deux heures, est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas avoir une limite ce nombre d'échantillons qui sont indépendants? Et là, on voit qu'on arrive à des résultats très très intéressants. On se retrouve à avoir 1000 échantillons indépendants, ici, à partir de 1,4 GHz. On a fait 1000 mesures espacées d'un temps supérieur à ce temps des corrélations. Et on a prouvé ici, par une méthode qu'on a utilisée du NIST aux USA. En 50 secondes de mesure, j'arrive à avoir 1000 échantillons indépendants. C'est un nombre vraiment extrêmement, extrêmement élevé. Bon, j'en dis pas plus là-dessus, c'est un peu plus technique cette partie-là. Ici, une partie qui va, je pense, vous intéresser, vous surprendre un petit peu. Je l'ai intitulée « Virk, une chambre anéchoïque virtuelle », avec des guillemets à « virtuel ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça paraît un peu bizarre. Dans une chambre réverbérante, faire des mesures de type anéchoïque. Alors, le principe, il est très simple à comprendre. Je veux, par exemple, mesurer le diagramme de rayonnement d'une antenne dans la chambre réverbérante. Donc je veux mesurer ce trajet en rouge. On est d'accord. Et puis ensuite, je vais faire tourner cette antenne sur elle-même. Et pour chaque angle, je vais mesurer ce que j'obtiens en rouge. Le problème, c'est qu'en chambre réverbérante, j'ai ces trajets indirects. Le trajet en vert, là. Tous ces trajets en vert. Cela, il m'embête. Mais l'idée qu'on a eue, c'est de dire si chaque point de la toile est constamment en mouvement. Je n'ai pas le seul trajet qui ne change jamais, qui est invariant, c'est celui que je veux mesurer. Tous les autres, finalement, ils sont tout le temps différents parce que la toile va tout le temps être à une position différente, en tout point. Et la théorie des chambres réverbérantes a cet aspect magique-là, c'est qu'en plus de tout ça, la moyenne des trajets en vert, en théorie, ça fait zéro. Donc il suffit de faire une première acquisition. Effectivement, je vais mesurer celui-là, et je vais aussi mesurer tous les autres. Mais si je fais plusieurs fois l'acquisition au cours du temps, et que je fais la moyenne, je vais me retrouver avec uniquement ce qu'on appelle le loss, line of sight, donc le trajet direct que je veux mesurer. Et vous voyez ici que sur le sol de la LIRC, j'ai aussi fait un trait non pas droit. Et oui, parce que si vous avez bien regardé tout à l'heure, et on le voit un peu dans l'image là-bas, ça veut dire que notre virque, qu'il a fallu qu'on la surélève un petit peu par rapport au sol, pour pouvoir faire bouger aussi le sol. Peut-être pour remontrer la photo en plus grand, on le voit ici. Vous voyez, la virque, elle est suspendue par rapport au sol d'une vingtaine de centimètres. Et le but était aussi de faire bouger le sol. Si on ne fait pas bouger le sol, toute la théorie que j'ai montrée, elle ne marche pas. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Alors, ce qui est assez rigolo, du coup, j'aime bien montrer ça, c'est que, vous voyez ici la mesure, donc j'ai mes deux antennes l'une en face de l'autre, et puis celle-là, elle est sur il y a un moteur ici qui permet de la faire tourner sur elle-même. Et donc, on fait la mesure du S21 entre ces deux antennes,
et on fait l'acquisition pour chaque angle plusieurs fois, une centaine de fois par exemple. Forcément, c'est un peu plus long qu'en chambre anéchoïque. Et le programme MATLAB qui me permet de faire le post-traitement, ben, je charge mon fichier avec mes mesures, je fais la moyenne dans la troisième dimension, c'est-à-dire sur le nombre de balayages que j'ai fait de mon VNA pour chaque angle, et je trace une ligne. Alors voilà un exemple de résultat. Donc on a mesuré le dérame de rayonnement. Donc ça, c'est des résultats tout frais, hein, qui ne sont même pas encore publiés. Donc à 10 GHz, une antenne cornée, c'est des antennes assez classiques. Voilà donc le résultat en chambre anéchoïque, en noir. Donc vous voyez le lobe principal, c'est ça qui nous intéresse principalement, hein, c'est de mesurer ce lobe de rayonnement. Et en bleu, c'est la mesure en vir obtenue avec une seule mesure. Évidemment, ça ne marche pas du tout. Maintenant, je vais lancer la vidéo, vous voyez aussi sur celui-là, là-bas. Je vais lancer la vidéo, et puis vous allez voir que le nombre de balayages va s'incrémenter jusqu'à aller à 200. Et vous allez voir que, assez rapidement, on est déjà à 20, et vous voyez qu'on voit déjà relativement bien le lobe principal de l'antenne. Voilà, et donc là je suis une centaine, vous voyez que on voit, donc c'est ce qui nous intéresse, c'est ça en fait, hein. C'est le lobe principal de l'antenne, et on arrive à le reproduire très, très fidèlement. Hop. Alors, une autre façon de le montrer, c'est de regarder dans le domaine temporel, c'est-à-dire que si je me place dans les conditions favorables, c'est-à-dire les deux antennes sont en face l'une de l'autre, ce trajet-là, il va arriver très tôt, beaucoup plus tôt que tous les autres trajets qui se réfléchissent sur les parois. Et donc on le voit ici, et puis ensuite, après, j'ai tout un tas de trajets qui arrivent plus tard. Et l'idée, c'est si je fais la moyenne de tout ça, je me retrouve avec uniquement mon trajet direct, et tous les autres trajets sont complètement annulés. Et puis, on a voulu montrer ce que ça faisait dans le cas le plus défavorable. Le cas le plus défavorable, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'ici, en fait, le trajet en bleu, il est beaucoup plus fort que le trajet en rouge. Mais c'est le trajet en rouge que l'on veut mesurer. Donc, on le voit ici, le trajet en rouge, c'est celui-là, ici. Et puis, le trajet en bleu, il arrive un tout petit peu après. Donc, celui-là, on voit qu'il a des amplitudes. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais il a des amplitudes tout un petit peu différentes. Alors, celui-là, il ne bouge pas, le premier. On veut mesurer. Et puis encore plus tard dans le temps, au bout de 3-4 rebonds sur les parois, on a des trajets encore avec une amplitude plus forte. Et quand je fais la moyenne de tout ça, eh ben, il ne reste plus que celui qui m'intéresse. Alors après, on a fait d'autres mesures avec c'est le même principe, hein, une antenne directive à 19,7 giga. Là, l'idée, c'est de vous montrer aussi une antenne assez sympa qui a été faite au labo XLIM. Donc une antenne à métasurface morphogénétique. On ne va pas vous en dire beaucoup plus, c'est un collègue à nous qui a fait ça. Là, ce qui était rigolo, c'est que le diagramme, en fait, il est extrêmement pincé sur 3-4 degrés. Et donc j'ai une vidéo aussi. Et donc, vous voyez que très rapidement, on arrive aussi, où là on est à 20, on a reproduit très très bien le diagramme de rayonnement, et notamment... le lobe principal, c'est ça qui nous intéresse ici. Avec un temps de mesure qui n'est pas si long que ça, en une quinzaine de minutes, on arrive à obtenir ce résultat. Donc évidemment, c'est plus long qu'en chambre anéchoïque où on mettrait 30 secondes. Mais sachant que dans les deux cas, il faut, mettons, une demi-heure, une heure pour installer la manip, finalement, c'est pas tellement un problème. Alors merci pour votre attention. Maintenant, on va passer à la petite démonstration. Peut-être besoin d'un petit coup de main éventuellement. Vous allez voir que... Alors j'ai quoi? J'ai ici un analyseur réseau vectoriel. J'ai... je vais bien tenir le micro. Je ne vais pas... Donc j'ai la toile ici, qui est dans le sac. Je vais sortir. Thank you.
Alors, je vais utiliser une pompe qui va faire un peu de bruit. Ça va vous réveiller si vous êtes en train de vous endormir. Mais on va vite voir apparaître une chambre verbérante, donc cette fois gonflable. Donc, vous avez vu dans les images que j'ai, montrées, une chambre, une virque qui est suspendue à une armature en métal. Et là, ça c'est encore plus rapide. Donc ça c'est Michelin qui nous a fabriqué ça. Où l'armature finalement elle est gonflable. Alors. Alors ça va faire un peu de bruit, mais ça ne va pas durer longtemps. Sonore. Donc on a les beaux logos dessus de l'Université de Limoges. Et donc, on peut installer donc notre manip à l'intérieur. Donc là, je vais vous montrer une manip très simple. Vous voyez, en fait, ça c'est des boudins gonflables qui sont, à l'origine, c'est des choses qui sont utilisées sur des voiles de kitesurf. Bon, je suis pas spécialiste, mais voilà, les entreprises qui font ça faisaient aussi des voiles de kitesurf. Alors, on va donc installer un petit peu la manip. Donc ici, j'ai un analyseur de réseau vectoriel qu'on a étalonné précédemment. Je vais faire passer les deux câbles ici. Là, il y a une petite ouverture, et puis, j'ai deux antennes patch, et ces deux antennes patch, on va les installer à l'intérieur, et on va juste mesurer le S2-1 entre les deux. Et ça va nous suffire pour avoir plein d'informations finalement sur le fonctionnement. Donc je vous ai dit que la place des dispositifs dans la chambre n'a pas d'importance. Donc on les met un peu n'importe où. Je ne vous ai pas montré, on voit une antenne patch, l'autre un peu plus grande. Elles sont adaptées à peu près à partir d'un giga, 1,5 giga. Donc ça veut dire qu'avant le coefficient de réflexion est très mauvais, mais ce n'est pas grave, on va voir quand même des choses. Voilà, donc je place les deux à l'intérieur. Je les ai mis sur un petit support isolant pour éviter qu'elles touchent la toile, pour être gênant. Voilà, ensuite, je vais fermer ça. Donc ça, c'est une chambre qu'on a reçue il y a un mois. Donc j'ai pas encore fait trop de manip dedans. J'ai constaté hier, en essayant chez moi, que la fermeture était assez raide. Ça, c'est les aléas du direct. Bon, après, c'est pas très grave, on va fermer directement avec ça.
Donc je ne l'ai pas gonflé avant que vous arriviez. Ce que je voulais que vous voyez, que c'est monté extrêmement rapidement. En une minute, on a une chambre réverbérante prête à l'emploi. Alors, on a étalonné le VNA tout à l'heure. Et voilà ce que l'on obtient. Ah, vous ne voyez pas là, par contre. Pourquoi ? Ah oui, ok. Donc voilà le S21 entre les deux antennes de 300 mégas. Et oui, c'est 300, parce que le premier mode, en fait, il est à 232 mégas, je l'ai mesuré hier. Donc on ne va pas voir forcément le premier mode fondamental. C'est pas très très grave. On va resserrer un petit peu la bande. Alors, où est-ce qu'on change ça ? Ici. Je mets entre 300 et 500, par exemple. Voilà. Donc en fait, là, on est dans une zone, alors les antennes déjà sont très très mal adaptées. Et puis ensuite, il y a très très peu de modes. Donc c'est très compliqué, vous voyez que les niveaux sont très faibles, moins 70 dB, etc. Alors voyons voir ce qui se passe si je bouge un petit peu. La toile, vous voyez que ça, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est un brassage de mode directement. C'est-à-dire que je modifie les conditions limites de mon système en faisant bouger la toile. Et on voit que tout ça va bouger un petit peu. Alors, c'est pas extrêmement clair, mais on voit par exemple que ici, partout où j'ai des pics, en fait, j'ai probablement un mode de résonance particulier. Vous pouvez essayer. Hein. Et donc, on voit que ce qu'il faut regarder, c'est que chaque mode, finalement, lorsqu'on va l'activer un peu, il va changer d'amplitude et il peut aussi changer un petit peu en fréquence. Ce que vous avez dit tout à l'heure, le fait de modifier les conditions limites, modifie en fait les dimensions, et là c'est vraiment le cas, les dimensions de la cavité changent un petit peu, et donc tous les modes se décalent. Mais là, j'en ai que un de temps en temps, en fait. Vous voyez ? On le voit un peu, on voit ici, là, vers 400 et quelques, un peu plus, là, celui-là. Là. Donc, qui peut-être se décale un petit peu, mais qui a une amplitude plus ou moins différente. Et on voit que la structure reste quand même à peu près la même, parce qu'il y a des fréquences où il y a des modes, et d'autres fréquences où il y a rien. Maintenant, on va aller un peu plus haut en fréquence, on va voir justement l'autre aspect, l'aspect réverbérant. Vous voyez déjà, si je regarde toute la courbe là, on voit vraiment deux régimes différents. Ici, j'ai un niveau très très faible parce que les antennes sont très mal adaptées. Mais aussi, alors peut-être on peut faire bouger un peu. Et puis dans une deuxième partie, à peu près autour de 1,5 giga, vous voyez là, je ne touche rien du tout. Et déjà, c'est en train de bouger. Pourquoi ? Parce que le fait que je me balade à côté, ça produit un petit flux d'air qui est peut-être suffisant pour que. Il y a déjà, et juste le fait d'agiter un peu, qui est suffisant pour que les conditions limites bougent. Et on voit en basse fréquence, donc ça veut dire que si vous regardez une fréquence particulière, j'active ici, donc au-dessus de 1,5 giga, je vais avoir des maximums, puis des minimums, à toutes les fréquences possibles. Alors que très bas en fréquence, j'ai des pics assez pointus. On voit par exemple ici, là j'en ai un, là j'en ai un. Là par contre, cela devrait rester un peu plus, quel que soit le brassage que je fais. Donc si je bouge un peu, on voit qu'en très basse fréquence, il y a un mode qui reste à peu près constant. Voilà, au tout début de la courbe, on voit que ça ne bouge pas énormément. Et par contre, quand on est vraiment sur la partie haute fréquence, on voit un comportement complètement différent. Déjà, un niveau beaucoup plus fort. Ça, c'est aussi parce que les antennes sont plus adaptées. Et puis, là où j'ai un creux, ben, si je bouge un petit peu plus, vous voyez que là, c'est complètement différent. Vous voyez ? Après, donc là, j'ai un doctorant qui commence sa thèse, qui a pour objectif d'essayer de trouver une technique de brassage de mode qui serait satisfaisante. Donc, en gros, on a remarqué que si on secoue un peu ici, bah, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, on veut éviter.
éviter d'avoir quelqu'un tout le temps en train de faire de bouger ça. Donc avoir un système, je ne sais pas, avec un moteur qui va essayer de pousser ça, de façon à réaliser un brassage de mode qui est intéressant. Donc on voit, effectivement, on voit bien là que ça touche beaucoup moins en basse fréquence, avec des fréquences où effectivement je n'aurai jamais de pic, alors que ce n'est pas la même chose lorsque je suis plus haut en fréquence. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu concrètement ce qu'est une chambre réverbérante gonflable qu'on appelle VIRC. C'est vraiment en pleine expansion parce que il y a plein d'industriels qui s'équipent parce qu'ils se rendent compte que c'est pas cher. Bon, je vous ai fait déjà l'article des avantages. Mais les industriels peuvent aussi, ont pas forcément besoin du fonctionnement de type chambre réverbérante. Mais rien que pour le fait que ce soit une cage de Faraday, c'est déjà intéressant. Les militaires, ils sont intéressés par ça, parce qu'ils veulent, par exemple, sur le champ de bataille, pouvoir s'isoler complètement. Faire, une manip, des tests, réparer quelque chose, un véhicule, etc. Ils veulent être tranquilles, être sûrs de ne pas être espionnés. Enfin, ça ne coûte pas cher, ça permet de le faire. Merci pour votre attention. J'espère qu'on a le temps pour quelques questions de votre part, pour qu'on puisse discuter sur ce que je vous ai présenté. J'en profite pour vous remercier et pour remercier les étudiants qui m'ont invité. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai répondu favorablement. C'est aussi une part de notre métier, hein, de transmettre, de donner aussi envie, je ne sais pas si vous êtes en thèse, si vous êtes en master, etc. De vous montrer que voilà, on peut faire plein de choses en recherche, on s'amuse beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Les formations que vous infligez à la structure, elles sont assez petites relativement, donc vous pouvez faire des brassages de mode vers les basses fréquences ou les guerres ou... En fait, en basse fréquence, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de mode. Donc même si je bouge énormément, si je n'ai pas de mode qui s'installe, ça ne marchera pas. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que plus une chambre réverbérante, mais vous le savez déjà, je pense, plus une cavité est grande, plus les premiers modes sont en basse fréquence. Donc ça veut dire que celle-ci, en gros, elle va marcher bien à peu près à partir de 1,5 GHz. Jusque, après, une fréquence très importante. Si je veux que ça fonctionne plus bas en fréquence, il faut qu'elle soit plus grande. Voilà, c'est un peu ça. Donc, effectivement, oui, on peut optimiser le brassage, le mouvement, etc. Mais à un moment donné, il y a une limite physique qui est que la qualité est trop petite pour une certaine bande de fréquence. Il n'y a pas assez de mode, donc on ne pourra pas obtenir cet effet réverbérant. J'ai une question. Ouais. Tout à l'heure, vous avez présenté une chambre de 27 mètres cubes, quelque chose comme ça, avec 5 moteurs pour faire dévoiler les parois. Oui. Si on utilisait par exemple ces 5 moteurs pour faire par exemple une plateforme juste pour faire bouger l'antenne à l'intérieur, est-ce que ça n'aurait pas le même brassage mécanique? Et est-ce que ça ne nous évite pas de la contrainte d'avoir à bouger toute la cage, d'avoir à surélever la cage, etc. En fait, bouger l'antenne à l'intérieur, pour par exemple du diagramme de rayonnement, oui. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, ça veut dire que la distance entre les deux antennes, elle est tout le temps en train de bouger, etc. Donc, on a souvent eu cette remarque. Mais effectivement, après, ça peut avoir un intérêt. Mais l'idée, c'est effectivement, la simplicité vient du fait qu'il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. La seule chose qu'on a à faire, c'est bouger ça. En fait, c'est beaucoup plus simple. Oui, Patini. Oui. Moi, j'ai une petite question, parce que vous avez dit que quand vous mesurez, vous répétez plusieurs mesures, oui, quand vous mesurez pour avoir les informations des interlocuteurs.
Donc ça veut dire, à un moment donné, peut-être pour le, je sais pas combien de fois, vous avez été et après, est-ce que l'objectif, c'est de, à quel moment vous avez suffisamment de data pour analyser Tout dépend de l'application. D'accord. Pour des tests CEM, par exemple, je veux voir si j'arrive à perturber un dispositif. Souvent, le nombre de positions de brasseur, ce qui est recommandé, c'est 12. C'est-à-dire qu'on va prendre une position de brasseur, on va faire le test, on va changer, on va faire ça 12 fois. Pour des mesures de type diagramme de rayonnement, ben, il faut en fait que on ait suffisamment d'acquisition pour que la moyenne fasse 0. C'est ça. En gros, on a notre trajet direct, là, il ne bouge pas, et un bruit qui se rajoute par-dessus. Il faut qu'on fasse suffisamment d'acquisition pour que, quand on fait la moyenne de ce bruit, ça fasse 0. Et c'est lié aussi à la fréquence, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, à partir d'une centaine d'acquisitions, ça commence à être vraiment très bon. Et peut-être même 50. Donc, en gros, il y a deux choses à vérifier. La première, c'est la chemin direct, et deuxième, c'est le moyen. Il y a une chemin. Comment dire? Dans une acquisition, il y a le bruit, c'est-à-dire tous les trajets indirects. Et il y a notre trajet direct. Celui-là, comme il ne bouge pas, oui. Et ben, quand on fait la moyenne, on va le garder. Tout le reste, vu que ça fait en théorie 0, on va le supprimer. Mais il faut un certain nombre d'acquisitions, effectivement. Si vous faites générer des nombres aléatoires entre moins 1 et 1, il va vous falloir en générer pas mal pour qu'en faisant la moyenne, ça tende exactement vers 0 avec une erreur. Si j'en génère 5, bah, il peut avoir une moyenne à 0,2 par exemple. C'est le même principe. Oui? Question. Si on imagine la même application en fréquence, là les VNA deviennent sensibles selon le sens qu'on bouge les câbles. Est-ce que du coup les vibrations que vous émettez, ça ne serait pas un peu la mesure, mais très tôt en fréquence, par exemple, à 60 Go, 100 Go? À 60 Go, oui, c'est plus compliqué. Et oui, un mouvement de câble, ça peut être un petit peu un problème. Effectivement. À 60 gigas, une toute petite, tout petit mouvement de la toile suffit pour que finalement on ait une condition totalement différente. C'est vrai. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Le brassage est beaucoup plus simple à 60 gigas. Mais effectivement, le mouvement des câbles. Le fait de faire bouger la toile peut faire effectivement bouger un peu les câbles, ça peut être une petite perturbation, effectivement. Ça peut gêner. Mais c'est pas, ça ne me paraît pas extrêmement grave. Pas si bien répondu à votre question. C'est quoi? Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon. On conclut. Merci encore une fois pour la présentation, super intéressante. Merci beaucoup. C'était un plaisir.